You know what she did? Your canting daughter! I must go into that cave before the police. There's another cave behind there. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film dont le nom m'a longtemps échappé. C'est un film que ma mère avait en VHS. Et que je me souviens avoir vu plusieurs fois, parce qu'il exerçait sur moi une espèce de fascination un peu morbide. J'étais vraiment petit, hein. Je devais pas avoir plus de 8 ou 9 ans. C'est l'histoire d'un homme des cavernes qui se réveille et qui découvre le monde actuel. Enfin, le monde actuel, le film date quand même de 1970. C'est Trog. Le film est réalisé par Freddy Francis, un réalisateur qui a à son actif plus de 25 films et beaucoup de films de genre. Il a notamment énormément travaillé avec Peter Cushing, c'est un peu la classe quand même, pour entre autres Dracula et les femmes ou Le Train des Épouvantes. Trapped in a dark subterranean cavern, its frozen fury preserved in suspended animation, it comes silently screaming through the ages. This terrifying half-human monster awakens at last. Awakens now to vent its murderous wrath. Je vais vous faire une confession, j'ai pas revu le film pour faire ce calendrier parce que je l'ai pas trouvé sur le net, j'ai peut-être pas assez cherché et je me voyais pas franchement mettre beaucoup d'argent dans un DVD en import parce que je l'ai pas trouvé en édition française. Je me souviens de la VHS et je me souviens de certaines scènes clés du film, notamment le début où on a trois étudiants je crois qui partent explorer une cave un peu souterraine et qui sont agressés par Trog, donc l'homme des cavernes qui était en hibernation et qui s'est réveillé. Alors on ne se demande pas du tout comment il a fait pour survivre autant de temps, on ne se demande pas non plus pourquoi il a un look assez improbable puisqu'il a les bras poilus, des bottes en forme de faites avec du poil de mammouth j'imagine, et un visage préhistorique, mais tout le reste du corps est imberbe. On peut dire qu'ils ont fait un putain d'effort sur le look, même si je dois dire que quand même le masque de Trog, pour l'époque, n'est pas mal fait et exprime quelques petites émotions. De ce côté-là, c'est une assez bonne surprise. Le film est notamment connu, non pas pour sa qualité incroyable, mais parce que c'est le dernier film où apparaît la star américaine Joan Crawford, et elle a déclaré qu'elle était extrêmement honteuse d'avoir joué dans Trog, et putain, je la comprends, parce que Trog, je peux dire que c'est un nanar. Voilà, j'ai revu certaines scènes sur internet. Bon, oui, waouh. Ça a assez mal vieilli, il y a des trucs assez absurdes, notamment on a une scène où on a tout un espèce de truc où on essaye d'éduquer Trog, un peu comme un animal, on lui lance une balle et à un moment il va s'embrouiller avec un berger allemand, et ça donne lieu à des scènes assez incroyables. Mais je dois dire que quand même, mes souvenirs d'enfant me remémorent un film auquel j'étais un petit peu attaché, qui dégageait en moi des espèces d'émotions comme la fascination, un peu de tristesse aussi, sans que j'arrive bien à mettre les mots dessus, parce que comme je l'ai dit, j'étais vraiment petit. Mais ouais, il y a un cachet qui fait que je peux pas détester le film ou vraiment dire que c'est de la grosse merde, même si voilà, niveau qualité on est quand même dans quelque chose d'assez bas, proche du nanar.
Mais je me souviens qu'il y a des scènes qui me fascinaient sans que j'arrive vraiment à bien mettre les mots dessus, notamment une scène où on essaie d'apprendre à Trog les couleurs avec des chiffons, plusieurs chiffons de couleurs. Et je me souviens, alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je trouvais cette scène extrêmement satisfaisante quand j'étais petit. Ça me fascinait, je sais pas pourquoi. Et ça me faisait un peu la même chose avec une scène dans l'ours où Checky Kerryo il assemble son fusil. Et je regardais ça, j'étais fasciné, je comprenais qu'à moitié ce que je voyais, mais je savais que ça me procurait des frissons, que je trouvais ça beau, presque harmonieux. Et je veux bien que dans les commentaires, vous me disiez pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça, bordel. Whatever the risk, this kill crazy fiend from hell must be destroyed. J'ai un certain attachement pour Trog, comme vous l'avez compris. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu ce film ou s'en rappellent, mais je veux bien que dans les commentaires, vous m'en parliez si vous avez des souvenirs, si vous savez où je peux me procurer le film pour pas trop cher ou même pouvoir le choper en ligne. Parce que j'aimerais bien le revoir en entier quand même. Là, je n'en ai vu que des bouts, ma mémoire a fait le reste. Voilà, je sais que Troc, c'est un de mes souvenirs d'enfance et je suis content de pouvoir vous le présenter pour ce calendrier. C'est un film un petit peu oublié. Ah, et la scène, je crois que c'est la scène du début avec les dinosaures là, ça me fascinait aussi pas mal avec ce ciel rouge qui évoquait l'apocalypse. Enfin, bref, voilà, c'était l'instant confession plus qu'une vraie critique de film. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, parlez-moi de Troc dans les commentaires si vous voyez ce que c'est que ce truc. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau film d'horreur. Ciao.